Et ben toi, Pascal, tu nous emmènes dans tes vergers du Maine-et-Loire. Du Maine-et-Loire, hein, voilà. Exactement. Donc, Pascal Pinault, producteur de pommes et poires dans le Maine-et-Loire. La première slide, c'est le groupe Pommévasion. Donc, on est associé, je vais montrer dans la prochaine slide, avec 9 autres collègues dans une société, Pommévasion, qui a en charge de vendre nos produits. Et donc l'agroécologie, selon Pommévasion, parce qu'effectivement l'agroécologie, on entend beaucoup parler, et chacun a un peu sa définition. Donc je vais essayer de vous montrer, vous expliquer, sans trop vous lâcher. Pommévasion, c'est quoi? C'est 1000 hectares de vergers, pommes, poires, principalement dans le Maine-et-Loire. Là, vous avez deux dissidents, là, mais on s'étend. Ce qui représente 60 000 tonnes de pommes. En gros, c'est 28 variétés de pommes, une diversité assez importante, 4 variétés de poires et 3 marques. On a une variété Henriette Jolie bio, et Selecte Fruits, c'est la marque export, parce qu'on fait environ 50% de notre chiffre d'affaires à l'export. Si on zoome un petit peu sur notre exploitation, donc Pascal et Stéphanie, moi je suis là à m'amuser, ma femme travaille. On a 240 hectares de vergers, pommes, poires. Alors c'est dans les Mauges, hein, c'est près Cholet, Nantes, Angers. Tout le verger est conduit en agroécologie. Donc je vais essayer de vous expliquer comment je le mène. Et il y a 25% du verger qui est certifié en AB, hein, en fonction des variétés, en fonction du marché. Donc nous sommes principalement des producteurs, stockeurs et conditionneurs. C'est-à-dire en local, on va produire nos fruits. C'est environ de septembre à novembre. On va les mettre dans des chambres froides, on va les conserver en jouant sur l'atmosphère, on va les conditionner. Alors ça, c'est la station fruitière, hein. Donc on a un projet de mettre du photovoltaïque là, pour être un peu plus autonome en carbone. On les conditionne, donc voilà, en haut à gauche, on stocke les pommes dans les palox. Il y a des gens souriants qui travaillent chez nous. C'est la high-tech, donc on a du tri qualitatif avec des caméras, des logiciels, enfin bref, tout ce qu'il faut. La station fruitière, comme je dis, c'est pas un hôpital, c'est-à-dire que si vous rentrez un mauvais produit, vous sortez un produit encore pire. Donc on a besoin de produits de haute qualité et le travail, il se fait là, il se fait au verger. Alors l'historique de l'agroécologie au verger, 2000 prises de conscience de sol. J'étais jeune installé, hein, je suis la troisième génération de producteurs. Donc on a des sols, donc nous on manque pas d'eau parce qu'il y a de l'eau plein les sols. Et puis quand on prend une pelle, c'est sec à 2 mètres. Donc des sols complètement étanches. Je vous rassure, c'est pas tout le verger qui est comme ça. Hein, mais, c'est dans certaines parcelles. Et puis, une prise de conscience, pourquoi il y a de l'eau sur nos sols, pas dans nos sols, pourquoi suite à une pluie, le sol n'absorbe pas l'eau. C'était un peu terrible. Donc en 2005, on a recherché un peu, c'est ce que je vais expliquer, des solutions pour les intrants. En fait, quand on est agriculteur, enfin quand j'étais agriculteur dans ce cadre-là, on avait une problématique, il fallait qu'on trouve une solution à la problématique. Et généralement, la problématique, c'était les symptômes du problème. Donc on a des pucerons, on traite les pucerons, on a des sols hydromorphes, qu'est-ce qu'on fait? On prend la pelle, on draine, voilà. Et ça ne marche pas. Et en 2008, à force de la bibliographie, à force de rencontrer des gens comme Conrad, comme Frédéric Thomas également, on commence à réfléchir le sol. Le sol, c'est la base de tout, et on est plutôt dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. Donc on essaye d'éviter d'avoir des problèmes plutôt que de résoudre les symptômes du problème. Et depuis 2008, j'essaye d'améliorer le système pour avoir, là vous voyez dans la photo du bas, un petit ver de terre, haut espoir. Parce que dans des sols comme ça, les vers de terre n'étaient pas très fréquents. Maintenant, je prends ma fourche, je vois 3-4 vers de terre à chaque fourche. Donc c'est un système très agradant.
On est dans un système arboricole qui ne représente pas grand-chose, en fait. Et il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à nous au niveau matériel, au niveau réflexion, au niveau recherche. Alors nous, l'agroforesterie, bah, vous voyez, vous avez des arbres. Hein. On a commencé par ça, nous, en fait. On a mis les arbres et on ne s'occupait pas de ce qu'il y avait autour. Donc, 2000 arbres hectares, c'est pas mal, hein, Conrad ? Ouais, c'est bien. Donc, après... Mince, là, comment on fait marche arrière ? Voilà. En fait, pour vous expliquer, avant 2005... Le verger, c'est une fonction unique. On plante des arbres et on s'occupe uniquement des arbres et on construit une ligne Maginot autour des arbres. C'est-à-dire que on élimine toute forme de concurrence. Les insectes qui viennent attaquer le pommier, boum, on le zingue. En fait, l'absence de vie totale. Voilà, on veut, c'est un enfant comme une maman qui va couvrir son enfant. On veut pas qu'il ait froid, rien. Donc on va essayer de lui donner ce qu'il faut, NPK, de l'azote, machin, le protéger. En fait, on fait un peu une agriculture biocide, hors sol, et on standardise. C'est-à-dire qu'un technicien peut nous donner un conseil au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la France. De toute façon, il y a tel stade phéno, vous faites ça. C'est un système non durable parce que, comme on l'a vu dans la photo précédente, le sol se dégrade. Depuis 2005, le verger, en fait, il fait partie d'un système. On a l'arbre, mais c'est pas que je m'occupe plus de l'arbre, mais je m'occupe aussi du reste. Et mon objectif premier, c'est maximiser la vie dans le verger. Alors maximiser la vie, pour faire le lien avec le carbone, la vie c'est du carbone. Hein. Donc on comprend l'origine du problème pour l'éviter, on investit dans l'aménagement d'infrastructures et d'actions périphériques à l'arbre. On est dans la philosophie durabilité des ressources, l'anticipation, une agriculture agradante, et on considère la ressource. Alors ça se traduit comment ? À force de chercher, voilà, on est dans ce binôme. Alors j'ai la rhizosphère, c'est le sol, et la philosphère, c'est la plante. L'essentiel et les fondamentaux, pour moi, en tout cas pour être agriculteur, c'est ce binôme-là, sol-plante. C'est une symbiose. Si vous n'avez pas de sol, vous n'avez pas de plante. Si vous n'avez pas de plante, vous n'avez pas de sol. Parce qu'une plante, c'est ce que vous voyez en surface, mais elle a des racines. Et le lien, c'est la photosynthèse. Ben, la photosynthèse pour piéger le carbone, comme disait Conrad. Avec rien, je fais tout. Et on va rentrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus je vais avoir un sol fertile, plus je vais avoir des plantes qui vont pousser, qui vont capter du CO2. Et plus je vais avoir des plantes qui vont capter du CO2, plus je vais avoir de résidus dans mon sol qui vont nourrir la biologie du sol. Alors bien sûr, il faut toujours maintenir l'agronomie de base, hein, des équipes biochimiques, mais ça c'est pour constituer le sol. Apporter des déchets végétaux, c'est ce que je fais, pour aller plus vite. Mais je sais que ce sera du court terme, parce que je veux avoir un système autonome, vivant, entre le sol et ma plante. Donc j'ai fait des semi-interrants dans le verger, vous voyez, des plantes, du colza, des tournesols, etc. Multi-espèces, parce que les arbres, pour faire une rotation avec des arbres, c'est un peu compliqué. Donc, on fait la rotation entre les arbres. Il y a 4 mètres. Quelle chance. Un enherbement mature. Donc, c'est pas le tout de semer. Faut aussi, le but, c'est d'avoir de la paille. De la paille, parce que moi, je veux favoriser les champignons. Hein. C'est un ratio bactéries-champignons dans le sol. Et plus on a des herbes pailleuses, donc après maturité, plus on va favoriser un cycle le plus long, le plus large possible. Donc les infras, c'est plantation de haies. Donc sur notre exploitation, il y a 50 km de haies. J'arrive à la fin de mes plantations. J'ai planté 3-4 km par an depuis 5 ans pour compléter un peu l'échange. Je fais des essais aussi, des haies, c'est des haies avec des essences locales, hein, dans le verger pour voir un peu, je vous expliquerai hein, avec l'entomologiste, suivre un peu la biodive. Des semis décalés dans le temps, parce que j'ai commencé en 2010 à faire des semis, on sème tout. Maintenant, je sème un rang sur deux, sur trois, pour que le but, pour avoir une floraison étalée tout au long de l'année dans mon verger. Toujours pour avoir des insectes, pour nourrir les insectes. Des abris, donc je mets des nichoirs, des refuges à osmies, des abeilles sauvages, chauves-souris, voilà, pour favoriser les insectes. Hein. Donc je joue sur les deux tableaux. Mon binôme sol plante me permet de jouer sur l'activité biologique du sol et l'activité biologique de mes vergers. Et donc, un peu pour résumer, ce principe de l'agroécologie, c'est ce binôme sol-plante. Il y a trois principes. Protéger, donc des sols toujours couverts, comme disait Conrad, par des plantes, hein, par du vivant, si possible. On nourrit, et c'est via la photosynthèse, pour générer du carbone. Alors, on génère du carbone, lignée cellulose pour le sol,
du nectar et du pollen pour les insectes. Et une fois qu'on a construit ce système-là, ben on essaie de ne pas trop perturber ce système-là. En raisonnant ces interventions, alors physique, chimique, biologique, hein, les trois stades, physique, ben ça va être le labour. Je ne m'interdis pas de retourner un petit peu, ça c'est dans les évolutions futures, comment on gère l'enherbement au pied du verger. On a un enherbement spontané pendant 3-4 ans. On retourne vers la forêt avec des ronces, donc c'est pas agréable de travailler dedans, avec du lierre, et donc je ne m'interdis pas de retourner un petit peu le sol au pied des pommiers pour ressemer tout de suite un mélange paille-légumineuse, voilà, pour faire une rotation sur 4 ans, 5 ans. Dans l'interrand, c'est tous les ans. Donc gérer le physique pour éviter d'avoir un sol nu, couvrir avoir un sol au maximum, et comme Conrad disait, on est couvert à 100% en surface, plus les arbres, donc j'estime qu'on est couvert à 200%, pour capter le CO2. Chimique, ben bien sûr, hein, avec toute cette biologie, on a moins besoin d'intervenir, j'expliquerai plus tard. Et biologique, parce qu'on entend beaucoup parler du biocontrôle. Alors si c'est pour remplacer la chimie par du biocontrôle qui vient de l'extérieur, il n'y a pas d'intérêt. Le but, c'est vraiment d'être autonome dans notre système. Et d'avoir un système hyper complexe, hyper systémique, et le plus résilient possible. Donc le tout pour avoir un verger vivant. J'ai fait ce genre de petit puzzle pour dire que c'est un vrai casse-tête. On a en bas l'objectif, la vie, donc de la vie, de la vie, de la vie, en maximisant le vivant, les symbioses, nourriture variée, protégée, ne pas perturber, carbone, photosynthèse en axe principal. Matière grise, bah, faut réfléchir avant. Comprendre, prendre du recul, vraiment le but c'est ne pas lutter contre les problèmes, c'est les éviter. Et un des points fondamentaux, c'est partager, observer. On est 10, on communique énormément. C'est important de partager son expérience, ses échecs, et surtout de ne pas se mettre de contraintes en faisant un cadre bien spécifique. Chacun a ses volontés, chacun a ses idées, et on s'inspire les uns des autres. Et ce système-là requiert de l'adaptation, adaptation des méthodes et du matériel. Comme je l'ai dit, l'arboriculture, personne trop s'y intéresse, donc on est obligé de créer notre propre matériel. Et on a des situations locales et il n'y a pas de recette. Donc vous faites avec ce que vous avez. Vous avez un sol sableux, limoneux, argileux, vous avez des forêts, vous n'avez pas de forêts. Voilà. Donc vous adaptez, il faut vraiment que le cœur du système, c'est l'agriculteur qui connaît bien sa zone et qui doit arriver au résultat, la vie dans le verger. Donc pour structurer un petit peu nos pensées, on a monté ensemble un cahier des charges. Un cahier des charges qui est, pour l'agroécologie, une culture de résultat, donc les moyens, peu importe comment on y arrive, mais on veut du résultat. Une culture de progression, on n'est pas tous à la même vitesse, mais on accepte, on a différents niveaux. Avec un système de notation pour se situer et pour progresser. Et une culture de la connaissance, parce que bah, faut qu'on apprenne, on fait venir des experts, voilà, pour nous aider à comprendre nos observations et aller un peu plus loin. Donc dans ce cahier des charges, en fait, on fait un diagnostic. On a coupé l'ensemble de nos vergers sur des îlots de 5 à 10 hectares et on fait des analyses de sol. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Avec des inventaires aussi entomologiques, là, vous avez Johanna. Elle vient une fois par mois pour mesurer et compter les insectes. Ça, c'est son métier. Je vous montrerai ce qu'elle montre également. Des comptages de vers de terre, des profils de sol. Donc ça, c'est pour le sol. Et puis, on a un plan de gestion de haies, plan de gestion du carbone et gestion de l'enherbement. Qu'est-ce qu'on mesure nous, les fondamentaux, c'est le taux de matière organique dans le sol, la biomasse microbienne, le taux de couverture des sols. Est-ce qu'on est couvert à 100%? Est-ce qu'il y en a encore qui désherbent au pied des pommiers? Pourquoi? Après, le but, c'est d'avancer encore un peu plus loin. La gestion du rang, la longueur de haies plantées, la façon de tailler les haies ou de ne pas tailler, la durée de présence de fleurs dans le verger, comme je vous l'ai dit, le plus longtemps pour nourrir le plus longtemps possible les habitants du verger, et des habitats de faune sauvage. Donc, on mesure tout ça. Là, je vous ai mis à peu près voilà, tous mes îlots chez moi. Alors c'est illisible, mais vous allez vous attacher aux couleurs. Donc là, en rouge, c'est les îlots où en fait j'ai plusieurs colonnes. C'est le carbone, taux d'argile sur matière organique. Alors ça, c'est nos amis suisses qui ont sorti cet indice, qui est pas idiot. On a commencé par le prendre. La MO totale, la biomasse microbienne, et après on a le cuivre. Le cuivre, on est comme les viticulteurs, on utilise pas mal de cuivre pour les maladies du bois. Donc en rouge, c'est des sols assez pauvres en matière organique. En vert,
jaune-vert, il commence à être très intéressant puisque on a la dernière parcelle qui est vers les 5% de matière organique. Et de ça, on observe le reste. Donc là, ça date d'il y a 2 ans. Je vais faire des analyses de sol tous les 4 ans, mais j'en fais en routine un peu tous les ans pour voir un peu l'évolution. Donc là, je m'attache effectivement à apporter du carbone le plus rapidement possible, des déchets végétaux les moins matures possibles sur les parcelles initiales. Alors la bonne nouvelle, où je rejoins Conrad, c'est la dernière colonne, cuivre. Le cuivre, c'est pas bon pour les vers de terre, c'est pas bon pour la biomasse microbienne. L'espoir, c'est que plus vous avez de matière organique, et moins le cuivre est létal pour les vers de terre et la biomasse microbienne. Donc c'est la note d'espoir. Donc les sols ne sont pas foutus, ne sont pas morts. Il n'y a que de l'espoir à partir du moment où on gère bien le carbone et on augmente le taux de matière organique. Donc, ce qui fait que tous les quatre premières colonnes sont corrélées, sauf la dernière, et on arrive malgré tout à avoir de la biomasse microbienne si on gère notre sol proprement, si on augmente les taux de matière organique. Donc ça, c'est très intéressant comme observation, et de ne pas s'avouer vaincu dès le départ. Ça, c'est ce que Johanna a répertorié dans nos vergers. Alors, y a toute une palanquée d'habitants. Elle est capable de différencier 2 parasitoïdes. Moi, j'appelle ça un moucheron. Elle en détecte 90. Bon, voilà. C'est son métier. Mais elle nous aide. Elle nous aide à faire un inventaire, essayer de trouver des méthodes, des aménagements. Le but de chacun, c'est de mettre en place des aménagements pour améliorer, pour augmenter cette vie dans le verger. Et puis là, après, fait des indices de margalef, enfin bref, et tout ça, elle met ça en croix, et on voit, on fait des grosses patates, et celui qui a la traîne en bas, il se dit, que font les autres pour être à ce niveau-là. Et on essaye de trouver des corrélations et de mettre en place des aménagements pour monter, pour augmenter, voilà, le meilleur étant en haut, voilà, en haut à droite. Alors bien sûr, on essaye de mettre en place des systèmes. Les semoirs, ils ne font pas 3 mètres chez nous, parce que sinon, les vergers, ils n'existent plus. Donc on bricole des semoirs, on essaye de mettre en place beaucoup de matériel pour trouver des solutions. Alors la solution matérielle vient en dernier lieu, hein, c'est d'abord trouver le système qui va bien. Et puis là, c'est les 2 vainqueurs, là, c'est moi et ma femme. On partage des connaissances, on est dans les vergers, on marche dans les herbes folles, c'est la petite maison dans la prairie. Et c'est super intéressant parce que voilà, on est entre nous, on discute, on confronte nos solutions et nos problématiques. Donc les résultats dans le verger, je les ai mis en 3 catégories, environnementaux, agronomiques, commerciaux, économiques. Environnementaux, plus de biodiversité, ça c'est indéniable. Les vers de terre, en 2005, il n'y en avait pas. Là, on met la fourche, on soulève, ça grouille de vers de terre. Plus d'insectes toute l'année, alors ça peut être gênant pour les saisonniers qui travaillent. Effectivement, à la cueillette, il y a plein d'araignées. Donc s'il y a des araignées, elles mangent quelque chose, elles mangent des insectes. Mais après, il faut pas être... faut aimer les araignées, quoi. Plus de matière organique, donc de carbone dans les sols. Réduction de l'utilisation de l'eau. Nous, on est dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'eau, donc je fais des étangs. J'irrigue au goutte à goutte. Et on a économisé 30% d'eau. Et plus ça va aller, plus on va économiser. De là, ne plus utiliser d'eau, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit des arbres qui stressent moins. On a eu le coup de chaleur du mois de juin, comme tout le monde. On n'a pas vu les arbres avec les feuilles en tuiles, du fait d'un enracinement profond. Donc voilà, on sent des arbres qui sont mieux portants. Moins d'érosion du sol, ça évite d'avoir des rivières marrons, une qualité d'eau plus importante, et on dépollue l'air parce qu'on piège du carbone. Réduction de la hausse des températures, parce que quand on a un sol couvert, on met des haies, voilà, on retrouve un système bocager, donc ça tempère les températures du milieu. Résultat agronomique. Ça, on le voit depuis 2 ans, 3 ans, et ça s'amplifie chaque année. Et au fur et à mesure qu'on améliore notre système, on est vraiment rentré là. Voilà. C'est long à mettre en place, mais une fois qu'on voit les résultats, ça s'accélère. Donc des arbres en meilleure santé, diminution de maladies du bois. C'est un espèce de champignon qui fait le tour de la branche ou du tronc, et l'arbre meurt. Donc ça, on est vraiment en diminution de cette maladie. Diminution des attaques parasitaires. Il y a certains insectes que... Je n'ai plus, voilà. L'arbre est en bonne santé, il n'a pas baissé de vigueur, il a toujours la même vigueur. Donc là, je mets ça sur le compte d'une sève beaucoup plus élaborée, beaucoup plus qualitative.
Réduction des IFT. Alors, un IFT, c'est, ça vaut ce que ça vaut, c'est l'indice de fréquence de traitement. Moins 20% en 10 ans, moins 10% en 3 ans, autant en agriculture biologique qu'en conventionnelle. Moins de stress hydrique des arbres, donc réduction de l'eau. Intervention. Ah ouais, arrêt du broyage des feuilles. Juste pour la petite histoire, bien sûr, l'arbre perd ses feuilles. L'hiver, il y a une maladie qui est la tavelure. Elle hiverne sur ces feuilles-là. Et une des luttes, une des prophylaxies, hein, en AB ou de façon globale, c'est de broyer ces feuilles le plus finement possible pour détruire le support de la tavelure. Mais le fait que j'ai des vers de terre, les feuilles, elles disparaissent. Voilà, là j'ai plus de feuilles. Elles sont mangées, digérées par les vers de terre. Donc ça m'évite de passer avec un tracteur, de broyer, de tout ça. Donc j'aurais dit mes interventions. Plus de réussite dans les semis, toujours le binôme sol-plante. Plus j'ai un sol fertile, plus ma plante va être vigoureuse, etc., etc. Donc ça, c'est toujours intéressant. Résultats commerciaux, moins de déchets après conservation. On a des fruits qui se conservent mieux. Des fruits avec des brix plus élevés. Alors le brix, c'est oui, souvent les viticulteurs avec... Les taux de sucre notamment. Voilà, ouais. Voilà. C'est réducteur. Le taux de sucre, c'est réducteur. Ouais. Le brix, c'est plutôt la minéralité du fruit. Voilà. On a des fruits qui augmentent, voilà, qui ont des taux de brix assez élevés. On n'est pas en perte de rendement. Au contraire, je dirais plutôt on va amorcer des rendements qui vont augmenter. Donc des vergers en bon état sanitaire, prêts à produire des très bons fruits. Voilà. Donc pour finir, un petit peu... les perspectives. Voilà comment je visualise. C'est la santé unique. On a toujours ce duo vertueux, sol plante, qui va nous aider à piéger du carbone, donc des sols et des plantes en bonne santé. Hein. Donc ce sera une planète en bonne santé, puisqu'on va piéger plus de carbone, avec une diversité plus importante, donc protéger l'écosystème, pour avoir des animaux et des hommes en bonne santé, parce que notre nourriture, c'est notre premier médecin, ou c'est la première médecine. Bien manger, ça permet d'être en bonne santé. Et le parallèle que je fais avec mes arbres, si mes arbres sont en bonne santé, mes fruits sont bons, les hommes qui les mangent seront en meilleure santé. Voilà, ils prendront plaisir à manger des pommes également. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Ben, merci beaucoup. On va prendre une question, juste là. Alors c'est une question très pratique. Juste, pouvez-vous rappeler, vous avez dû le dire en intro, mais je ne l'ai pas noté, sur quelle surface vous êtes avec ce système ? 240. Mais les 1000 hectares de pavillon, on est engagé dans le système d'agroécologie. D'accord. Voilà. Tout le monde est engagé dans ce système-là. Ouais. Ok. Et bah, la deuxième question, vous y répondez là, en fait, c'était sur la certification. Au moment où vous disiez que vous étiez certifié, je voulais savoir par qui, sur quoi. Alors, au verger, il y a le Global Gap. Voilà. C'est basique. En station, c'est le BRC. Ça permet de vendre IFS, BRC ou grande surface. Ecofito, Défi, on fait partie de ce groupe pour trouver des solutions. Haute valeur environnementale. Bon, des certifications, on peut en avoir comme le général russe. Hein, ça manque pas. Ce qui est essentiel, voilà, c'est vraiment ce vivant. Et on a voulu le faire, nous, ceux qui ont des charges en interne, hein, pour se mobiliser. Ce qui est important, c'est de jamais être statique chez nous et de toujours avancer, de pousser un peu plus loin les limites. Voilà. Et on va prendre une deuxième question. Monsieur Pétel, bonjour. Oui, c'est vrai que sous la couverture des cultures permanentes, il y a encore un tabou, je dirais, enfin, comme on le ressent aussi dans les questions qu'on peut poser, sur d'abord le campagnol, enfin, si... dans certaines régions, alors peut-être pas partout, c'est vrai qu'il faut s'adapter au local, mais il y a la question de l'herbe et du campagnol. Il y a aussi les questions qui viennent des zones méditerranéennes où il fait trop sec pour faire des couvertures. Puis après, j'ai une autre question, mais c'est sur le cuivre, mais ça dépasse parce que le cuivre, on va se focaliser sur le cuivre comme étant un produit très toxique. Oui, je l'ai dit, ouais. Mais vous augmentez vos taux de matière organique. Pour le campagnol, effectivement, pour un verger, c'est les 5 premières années. Une fois que le verger est installé, ça ne me pose pas de problème. Là, j'ai des campagnols. Donc effectivement, on peut, les 5 premières années, un peu enlever l'herbe au pied des pommiers. Après, il y a différentes techniques. Par le semis, on va mettre du radis, hein, des choses comme ça. Ce qu'il faut, c'est donner au campagnol quelque chose de plus appétant que
les racines de pommier. Parce que vous pouvez retourner tout votre verger. Si le campagnol, il est là, hein, de toute façon, il est là, le campagnol, il n'a rien à mettre sous la dent, il va aller manger les racines de votre pommier. Le but, c'est de faire du push-pull. Voilà, on met des radis, on essaye de mettre quelque chose de plus appétant entre les rangs, pour que le campagnol, bah, il nous laisse tranquille. Après, je ne pouvais pas tout développer. Des haies, renards, je suis chasseur, mais je ne tue pas le renard chez moi. Voilà. Des rapaces, il y a énormément de rapaces qui volent. Voilà. On arrive malgré tout à contenir ça. Voilà. Votre deuxième question, c'était sur l'eau, c'est ça ? Alors, j'ai fait un essai assez intéressant cet été, au mois de juin, 15 jours avant la canicule, et puis cet été, j'ai pas eu d'eau. Et c'est là que je me dis, si le sol il est bien carboné, si j'ai un fort taux de matière organique dans les premiers horizons, mon semis va lever. J'ai amené 120 ou 130 tonnes de déchets végétaux dans mon sol, que j'ai retourné juste en surface, j'ai semé, et à la fin de l'été, mon couvert était haut comme ça. Il n'y a pas eu d'eau. Hein. Voilà. Donc je pense que, voilà, et c'est ce que j'observe, plus le taux de matière organique va être élevé, c'est toujours mon binôme sol-plante, quoi. Voilà. Le plus dur, c'est d'enclencher. Voilà, effectivement. Il ne faut pas perdre patience. Juste une dernière question. Vous aviez marqué aussi qu'il y avait une diminution des maladies du bois. Oui. Ça, c'est quelque chose que je connais bien de la viticulture, où ils ont ce même problème. Alors, vous mettez ça sur quel compte exactement, cette diminution des maladies du bois ? Qualité de la sève. Moins de stress. Oui. Si vous avez un arbre bien portant, comme vous et moi, quoi, si on est bien portant, on va moins choper de maladies. Donc, et qualité de la sève. Je peux avoir des arbres, c'est ce que je disais, il y a moins d'insectes. Il y a quelques années, quand j'avais une pousse assez forte des arbres, j'avais plein de pucerons verts qui venaient. C'est la trophobiose, enfin voilà, il y a plein de concepts comme ça. Malgré tout, mes arbres, cette année, ils poussent autant, mais je n'ai pas d'attaque. D'accord. Donc je mets ça sur le dos de la qualité de la sève, et puis sur l'enracinement, un enracinement profond, fait que l'arbre, il va être beaucoup plus résilient, il va être moins sujet au stress. Abiotique, hein, et biotique, hein, voilà. Et est-ce que vous avez... Quel était le temps d'observation de cette diminution ? Parce que ça ne s'est pas fait tout de suite, je suppose. Non, mais et puis on était en 2005, enfin, je n'avais pas les clés. Hein. Alors maintenant, ce serait plus rapidement. Comme je vous dis, hein, on charge, on augmente nos taux de matière organique. Pour l'instant, je ne me fixe pas de limite dans le taux de matière organique. J'ai une parcelle où je la gave de bois, de vivant, et pour voir jusqu'où est la limite du taux de matière organique. Est-ce que c'est 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 15%? Je n'en sais rien. En taux de matière organique, voir ce que ça va faire. Mais je ne vais pas faire ça partout, hein, parce que, voilà, il manque des sous. Mais c'est vrai qu'on a des arbres beaucoup plus équilibrés et moins de ce qu'on appelle le chancre, hein, chez nous. Ou c'est peut-être l'escarre, c'est ça? Voilà. On a une forte diminution du chancre. Mais ça, voilà. On va un peu partout et on suit un objectif et finalement, on observe autre chose. Voilà. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il faut un système le plus complexe possible pour avoir un milieu le plus résilient possible. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Pascal, pour cet exposé passionnant et cette vie qui revient dans les vergers.